Ça, c'est une belle ouverture. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez compris, je vais vous parler de Ravel. Je m'arrêterai un peu plus longuement parce que Ravel avait une maladie neurodégénérative et que ça le fait partie de mes spécialités. Puis, je vous parlerai en quelques mots de Shostakovich. Je vous parlerai aussi de Smetana et de Schubert un peu plus brièvement. Et je terminerai par vous parler de la maladie de Mendelssohn. Alors, simplement, et pour ceux qui peut-être n'étaient pas là les fois précédentes, je me dois d'introduire en vous donnant quelques mots sur le cerveau musical. Si vous vous souvenez, lorsque je vous ai parlé de Beethoven, mais aussi de Schumann, je vous ai expliqué que pour percevoir la musique, il fallait certes un appareil auditif intact, et vous voyez l'oreille dans toutes ses composantes, l'oreille externe, moyenne et l'oreille interne, mais que cela ne suffisait pas. Pour entendre la musique, il faut que l'organe qui reçoit le son de l'oreille soit tout aussi intact. Et cet organe, c'est évidemment le cerveau. Alors avant, dans les modèles des années 40, 50, etc., on pensait que le cortex temporal était la partie du cerveau qui était la plus impliquée dans la perception musicale, alors qu'en réalité, cette partie du cerveau, eh bien, reçoit l'information brute avant de la dispatcher dans toute une série d'aires cérébrales. Et vous voyez que dans les années 2010 à peu près, quand on a vu l'essor en neurosciences de l'IRM fonctionnel, eh bien, plusieurs études, et notamment les Japonais, ont cartographié réellement le cerveau et les différentes aires qui étaient impliquées dans la perception musicale. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une zone qui servait chaque fois à toute une distinction, toute une analyse bien précise du son. Donc vous avez par exemple le lobe frontal qui va percevoir la fréquence, la durée du son, sa hauteur, et puis vous avez certaines aires temporales qui vont plutôt percevoir des caractéristiques plus élevées, c'est-à-dire l'harmonie, l'intervalle, etc. Vous allez avoir aussi des implications du cortex temporal dans la mémorisation. Et puis, on va avoir une différence dans les rôles entre l'hémisphère mineur et l'hémisphère majeur. Donc tout ça, évidemment, ce sont des neurosciences cognitives. Je vous rassure, nous ne nous arrêterons pas là-dessus aujourd'hui. Alors, en fait, quand je vous ai parlé de Beethoven il y a quelques mois, et encore avant de Schumann, eh bien, j'ai essayé d'illustrer le cerveau musical et son fonctionnement. Je vous ai aussi expliqué que l'éducation musicale allait modifier réellement la façon dont le cerveau traitait l'information musicale, mais également l'anatomie cérébrale. C'est cette belle étude de Bever et de Chiarello qui a fait un Science en 1973. Aujourd'hui, on va voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous allons partir de la maladie, et surtout de la maladie du musicien, pour éclairer notre compréhension de la physiologie du cerveau musical normal. Alors ici, je vous ai, pour ceux que ça intéresse, je vous ai remis ce fameux papier de Science qui détermine donc, c'est une des plus premières grandes études dans la compréhension de la gestion de la musique par le cerveau, qui explique un petit peu les mécanismes de la dominance cérébrale chez les musiciens contre les non-musiciens. C'est un papier qui fait encore autorité à l'heure actuelle, alors que comme vous le voyez, il a été publié en 1974. Alors, pour éclairer la physiologie par la maladie, je vous propose donc de commencer par Maurice Ravel, qui présentait une démence pour le moins énigmatique. Alors évidemment, je sais que vous venez d'horizons bien différents et que bien des personnes ici connaissent mieux le sujet que moi, mais pour mes confrères neurologues qui sont ici aujourd'hui, eh bien, je vais rappeler quelques repères biographiques qui concernent Ravel. Ravel est né à la fin du 19e siècle, en 1875, et très vite va entrer au Conservatoire de Paris. Il sera un élève de Fauré. Il recevra le second prix de Rome et cet événement mènera à ce qu'on appelle le premier scandale de l'affaire Ravel. Je ne vais pas m'attendre là-dessus aujourd'hui, mais vous verrez, ça vaut la peine. C'est en 1899 qu'il va écrire cette superbe pièce, La pavane pour une infante défunte, mais aussi Les jeux d'eau, Le quatuor à cordes et d'autres grandes œuvres de son répertoire. En 1418, la Première Guerre mondiale éclate et il est mobilisé. Il sera conducteur de camions. Très vite, en 1917, il est démobilisé en raison d'une santé fragile. Et vous verrez à travers son histoire que Ravel, c'est un de ces hommes fluets, presque malade imaginaire. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, à la fois sur le plan physique que sur le plan psychologique.
Alors, en 1917, quand il est démobilisé, il vit assez mal cette histoire et se retire dans une maison entourée de chats et d'automates. En 1920, nouveau scandale qui éclate, il refuse la Légion d'honneur. Entre 1920 et 1930, il écrit encore de très belles œuvres, les sonates pour violon et violoncelle, l'enfant et les sortilèges et les concertos pour piano. Et puis, en 1933, dans la plupart de ses biographies, on prétend qu'il est frappé d'une infirmité cérébrale. Alors, mes assistants qui sont ici savent très bien que je déteste ce terme parce que c'est un diagnostic qui ne veut rien dire. C'est une espèce d'étiquette qu'on colle parce qu'on ne sait pas quoi dire en réalité. Entre 1933 et 1937, l'année de son décès, il y a une grande période qu'on appelle le silence compositionnel. En réalité, Ravel ne s'est pas tout à fait arrêté de composer, mais il y a une grande baisse dans la fécondité créatrice chez lui. Alors, si on se penche sur le début de sa vie pour essayer de comprendre un petit peu cette démence et de trouver des signes précurseurs, ce qu'on appelle en neurologie les prodromes, eh bien, on apprend que tous les auteurs s'accordent sur une nature très particulière du caractère de Ravel. C'est un homme qui est secret, qui est complexe, qui est énigmatique. Et on sait qu'il y a toute une série de facteurs psychologiques prémorbides qui vont préfigurer donc, l'installation de cette démence et qui ne sont pas liés à un traumatisme lié à la Première Guerre mondiale, puisqu'ils étaient déjà là avant. Donc c'est un homme qui a une dépendance extrême vis-à-vis de sa maman, qui lui demande tout et rien, et qui présente déjà des troubles obsessionnels compulsifs. Il faut savoir que la psychiatrie avait bien évolué déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e, et ce genre de troubles était relativement déjà bien décrit. On sait qu'il présentait un trouble obsessionnel compulsif même à l'intérieur de ses méthodes de composition, mais également dans sa vie quotidienne, puisque c'est un homme qui va collectionner 10 bibelots et surtout des jouets mécaniques à l'âge de 45 ans. Alors, ensuite, il y a ce fameux épisode à l'âge de 57 ans où l'on décrit l'apparition de cette fameuse infirmité cérébrale. En réalité, à cet âge-là, on décrit chez lui l'apparition de toute une série de troubles cognitifs, donc d'une altération des fonctions supérieures, en l'occurrence une apraxie. L'apraxie, c'est l'incapacité d'établir un programme moteur complexe alors que tout le système moteur est intact, d'une aphasie, donc l'incapacité de produire un langage avec des fonctions d'élocution qui sont normales, une agraphie, donc la capacité d'écrire, et enfin une alexie, donc la capacité de lire, en à peu près une période de 5 ans. Donc vous voyez que ce qu'on appelait infirmité brutale est en fait une longue période de déchéance pendant 5 ans, donc c'est bien plus complexe que ce qui était annoncé au départ. Alors on sait que parallèlement à ça, il y a une altération de sa créativité musicale, qu'il devient de plus en plus apathique, mais d'après les carnets de ses médecins, il n'avait aucune maladie systémique, donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de signes, comme chez Beethoven par exemple, d'hépatopathie, d'altération des fonctions cardiaques, pulmonaires ou autres. Donc on a peu d'indices, il ne s'agit pas par exemple d'une maladie de système comme un lupus ou une maladie immuno-inflammatoire. Comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, à travers la biographie de ses amis, parce que malheureusement, Ravel ne tenait pas vraiment de journal de façon très précise, comme Beethoven ou Schumann l'ont fait, par exemple. Et donc, lorsqu'on lit Colette ou Marguerite Long ou encore certaines lettres publiées, on s'aperçoit de tous ces petits déficits dans sa vie quotidienne. Alors, en réalité, si l'on compulse, si vous voulez, toutes ces sources biographiques, eh bien, on se rend compte que cette démence a un mode évolutif bien plus complexe que celui que je viens de vous décrire. En réalité, les premiers signes remontent en 1927. Donc c'était bien avant cette fameuse infirmité brutale. Et on sait qu'il jouait à un concert pour accompagner une sonate du violoncelle. Et tout d'un coup, il est décrit comme tout à fait perdu devant sa musique. À ce moment-là, il présente un tremblement des mains, des ratures sur sa partition, il fait des lignes tout à fait irrégulières et il ne récupère pas du tout ce moment d'où il est perdu dans la partition. Il reste perdu et s'arrête. En 1928, il interprète la sonatine de Madrid et on ne sait pas pourquoi, il passe du premier mouvement, tout d'un coup, au coda de la finale et personne ne se pose réellement de questions. À ce moment-là, ses proches commencent à le décrire comme étant ralenti, évoquent des troubles mnésiques, c'est-à-dire des troubles de la mémoire. Alors, contrairement à ce qu'on pensait au départ, eh bien,
À cette période-là, malgré les troubles de mémoire et ces petits ratés dans l'interprétation, le processus de Ravel, le processus créatif, est toujours relativement bien préservé, puisqu'il écrit quand même à cette époque deux grandes œuvres majeures, le Boléro en l'occurrence, et le Concerto pour piano. Et puis, petit à petit, en 28, apparaissent des signes d'aphasie nominale. L'aphasie nominale, c'est cette aphasie dans laquelle on ne trouve pas un mot. C'est-à-dire qu'on essaye de s'exprimer et puis tout d'un coup, on cherche un mot, souvent un substantif, et jamais on ne le retrouve. C'est un peu une aphasie nominale de Pitre, mais poussée à l'extrême. Puis en 1932, il est victime d'un accident de taxi. Il présente un trauma crânien assez mineur, mais ce trauma est l'occasion d'une décompensation brutale et une explosion de ses troubles cognitifs, comme on le voit très fréquemment dans ses longues démences indolentes. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre quand on reprend les différentes sources biographiques? Alors ici, c'est une dia évidemment pour le neurologue, mais qui a quand même tout son intérêt. On sait qu'il présente à ce moment-là aussi des épisodes d'apraxie idiomotrice, donc c'est cette incapacité de produire un programme moteur bien précis. Donc par exemple, il commence à nager dans la Méditerranée, puis tout d'un coup est perdu, il s'arrête, il dit « mais je ne sais plus nager ». Et on doit le faire revenir jusqu'au rivage. On sait aussi que les dernières œuvres ont dû être transcrites par d'autres personnes parce qu'il était incapable de les écrire sous une dictée relativement laborieuse, donc dans ces années 1930-1933. Un de ses élèves à cette époque-là va décrire un trouble du contrôle des mouvements fins, donc de la dextérité manuelle, et ça c'est très intéressant pour moi, une anomalie oculomotrice, c'est-à-dire un problème pour diriger le regard de façon précise dans une direction donnée. Et puis, après cette période de 1933, cette démence va connaître une évolution relativement sévère, va se détériorer très vite, avec une perte de la capacité de jouer du piano, de même signer une lettre. Il a des troubles comportementaux, il devient tout à fait apathique. En 1937, il décède, et une de ses dernières phrases était de dire « Il y a malheureusement encore tant de musique dans ma tête ». Alors, il y a autre chose chez Ravel, et ça, beaucoup d'auteurs sont passés à côté, c'est un syndrome frontal. Et ce syndrome frontal, il est marqué par un motif persévératif. Donc, vous savez, ce sont ces démons qui répètent encore et encore toujours la même chose ou toujours le même geste. Eh bien, il y a un motif dit de perpetuo dans la sonate pour violon numéro 2 qui sont donc le reflet de cette persévération frontale d'un même motif. Et je pense que l'on peut lancer le son, si vous voulez bien. Sur la partition, vous voyez cette répétition infinie de ce motif qui est probablement un des signes prodromaux de cette démence avec une coloration dite frontale. Alors, si maintenant on regarde ça sous l'œil du médecin, et pas n'importe lequel, il faut savoir que Ravel a été examiné par Alain Joannine. Alain Joannine, ce n'était pas n'importe qui, c'est un neurologue de la Salpêtrière, qui était l'élève d'un autre très grand neurologue, en l'occurrence d'Egérine. Alors, tout l'intérêt de ce rapport d'Alain Joannine, c'est que ce grand neurologue, il était spécialisé justement dans les aphasies. Et malheureusement, ce rapport d'Alain Joannine n'est pas si bon que ça. Il a été publié dans Brain, carrément, en 1948, donc il a quand même un intérêt historique, mais il reste assez vague. Et donc Alain Joannine va décrire ce qu'on appelle une apraxie idéomotrice essentiellement, avec l'incapacité d'écrire la musique, mais aussi le langage. Il va décrire d'ailleurs une désintégration progressive du langage de Ravel, avec une aphasie qui ressemble à une aphasie de Wernicke, donc avec un jargon, et une incapacité de lecture des partitions, mais pas des mots. Alors, heureusement, il y a eu une étude un peu plus détaillée de ses capacités musicales, tout l'intérêt étant ici, puisque cela va illustrer la façon dont se comportent certaines fonctions cérébrales à travers une démence.
Par exemple, Ravel était capable de reconnaître un instrument tout à fait désaccordé. Il pouvait aussi percevoir une erreur de tempo. Or, ceci, c'est une fonction qui est gérée par le lobe frontal. Mais il commettait des erreurs lorsque l'on faisait une dictée musicale, seulement lorsqu'il devait dire les notes, mais pas quand il devait reproduire ces notes au piano ou avec le chant. Ceci illustre bien le fait que le langage musical est un langage qui est traité différemment du langage verbal ou même du langage écrit. Alors que lorsqu'on le plaçait Ravel au piano, eh bien la lecture à vue était impossible. Il avait un problème d'apraxie pour pouvoir jouer. Mais par contre, lorsqu'on lui demandait d'effectuer un morceau par cœur, eh bien celui-ci était bien exécuté. Pourquoi ? Eh bien parce que les morceaux que l'on effectue par cœur, ils sont sous-traités par les ganglions de la base, qui sont des structures sous-corticales, mais aussi par le cervelet. Et ces circuits-là, a priori, sont relativement bien intacts dans cette fameuse démence qui a l'air très corticale au final. Alors, parmi les points les plus intéressants, à mon sens, de l'examen d'Alajouanine, eh bien, c'est que d'abord, Ravel était capable de reconnaître ses propres morceaux si on les noyait dans toute une série de morceaux d'autres compositeurs. Il arrivait même à reconnaître des erreurs qu'on avait faussement introduites dans ses partitions, ou même des modifications de tempo. Cela signifie donc que ses capacités de mémorisation étaient relativement bien préservées. Et il avait aussi la capacité de reconnaître les tons et la mémoire musicale également. Alors, en fait, Alajouanine fait cette très belle description, mais ne se mouille pas beaucoup, puisqu'il conclut à une atrophie cérébrale, n'importe qui aurait pu le dire presque, avec probablement un élargissement ventriculaire. Sincèrement, ce n'est pas grand-chose que de dire ça. Mais il dit simplement, c'est probablement différent d'une maladie de Pick. Cette maladie de Pick, c'est l'ancien terme qui désignait la démence frontotemporale au début du XXe siècle, mais elle ne se justifie pas. Alors ses amis sont un petit peu déçus de ce rapport, je l'aurais été aussi, et ils vont consulter divers autres neurologues, et notamment des neurochirurgiens. Et malheureusement, Ravel tombe sur un très grand neurochirurgien, mais qui a une mauvaise idée, en l'occurrence Clovis Vincent, et qui propose tout bonnement une intervention dans le cas où il y aurait une tumeur ou une dilatation. Ce qui veut dire qu'on va opérer à l'aveugle. À cette époque-là, il n'y avait pas de scanner, il y avait à peine des méthodes d'imagerie, et donc on y va clairement à l'aveugle. Alors, vous allez me dire, une tumeur, mais où ? Alors, c'est très difficile de savoir en réalité où ils ont décidé d'aller chercher, et ils ne se sont pas appuyés sur la symptomatologie pour choisir le site opératoire. Ils ont fait un abord frontal droit. Relativement mauvaise idée chez un musicien, puisque vous le savez, l'hémisphère mineur a une très grande importance chez les musiciens. Ravel était droitier, son hémisphère droit était particulièrement précieux. Ils n'ont rien trouvé, bien entendu, à part une pression relativement basse du liquide céphalo-rachidien. On l'aurait bien deviné aussi. Et opéré le 17 décembre 1937, il survit pour s'enfoncer quelques jours plus tard et meurt tout bonnement le 28 décembre, donc une dizaine de jours après, d'une hémorragie sous-durale. D'une opération qui n'était absolument pas nécessaire, bien entendu. Alors, quelle est l'analyse qu'on peut faire rétrospectivement ? Parce que vous allez me dire, avec l'œil moderne, évidemment, c'est plus facile. Mais il faut savoir que même avec les connaissances actuelles, eh bien, la démence de Ravel fait toujours l'objet de nombreux débats. Et vous voyez que, en particulier dans les années 80-90, il y a eu énormément de papiers qui ont été publiés là-dessus et qui ont eu relativement pas mal de succès, avec les derniers papiers qui datent plus ou moins de 2014-2015. Alors, si finalement on reprend ce tableau clinique et on essaye de le résumer, eh bien, d'une part, vous êtes assez d'accord avec moi que l'évolution lente de ces troubles cognitifs suggère non pas une tumeur, mais un processus probablement neurodégénératif, donc une démence au sens propre, que ce tableau, qu'il soit musical ou langagier, est surtout dominé par une aphasie et une apraxie, pas tellement des troubles frontaux ni des troubles mnésiques, ce qui fait qu'on peut très vraisemblablement exclure une maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout le tableau clinique ni l'âge d'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Cela pourrait être une aphasie primaire progressive, ce qu'on appelle la maladie de Mesulam, mais dans cette sorte de démence, eh bien, il y a essentiellement une aphasie et quelques signes connexes. Et en réalité, l'hypothèse moderne, c'est donc que cette démence appartient au spectre des démences frontotemporales, probablement,
ou mieux, et ça c'est l'hypothèse qui me séduit le plus, une DCB, donc une dégénérescence cortico-basale, qui est simplement un voisin d'une maladie de Parkinson, mais avec une atteinte corticale et cognitive particulièrement importante. Alors, finalement, au-delà de ce diagnostic, qui est une discussion finalement très esthétique pour un neurologue, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Eh bien, on s'est rendu compte avec Ravel que la règle qui veut que le langage est situé dans l'hémisphère gauche et la musique se trouve dans l'hémisphère droit est finalement tout à fait fausse. Et vous avez vu que ici, les deux hémisphères dans cette démence sont touchés de façon relativement homogène et pourtant donnent des atteintes à la fois musicales et langagières et de différentes colorations et tonalités. En fait, Ravel, ici, il présente effectivement une aphasie avec cette désintégration du langage, mais aussi une forme d'amusie. Et qui d'autre souffrait d'une amusie? Je vous en ai parlé il y a quelques mois, c'était le Che Guevara. Donc, la conclusion que l'on peut tirer à travers Ravel, c'est que les deux hémisphères ont tous les deux un rôle prépondérant dans la musique, mais vont chacun avoir leur spécialité. Donc, un des deux hémisphères, à droite en l'occurrence, va être spécialisé dans l'analyse de la mélodie, de la tonalité, de la justesse, alors que les aspects rythmiques, temporels, mnésiques sont bien plus gérés par l'hémisphère gauche. La seule difficulté, c'est qu'il faut se rappeler que chez le musicien professionnel, la dominance est à gauche pour la perception musicale, ce qui brouille davantage les cartes dans l'analyse de ces démences. Donc in fine, ces maladies éclairent bien la physiologie. Et pour clôturer ce chapitre sur Ravel, eh bien, je vous propose d'écouter le concerto en sol, en l'occurrence le deuxième mouvement, qui sera interprété par M. Robin Di Martio. Tout ceci nous permet d'aborder un nouveau sujet, en l'occurrence Dmitri Chostakovitch. Alors vous verrez que sa maladie à lui n'a strictement rien à voir. C'est tout aussi dégénératif en quelque sorte, mais c'est moins mon rayon et vous allez comprendre pourquoi. À nouveau quelques repères biographiques. Chostakovitch, c'est un musicien du XXe siècle. Il est né à Saint-Pétersbourg en 1906 et va commencer sa carrière musicale très tôt, à l'âge de 9 ans, par le piano et puis plus tard au conservatoire de Petrograd par la composition.
C'est déjà à l'âge de 20 ans qu'il va créer sa toute première symphonie, qui va être très bien accueillie, et il va commencer à être reconnu dès cette époque-là. En 1927, là, le gouvernement russe lui met le grappin dessus et lui commande la seconde symphonie pour l'anniversaire de la Révolution russe. C'est une période en fait où Chostakovitch est relativement sous pression parce qu'il va toujours être en contact avec les autorités russes qui vont lui faire toute une série de commandes bien précises et donc limiter en quelque peu son processus créatif personnel. En 1934, c'est le moment où débute ce qu'on appelle la Grande Terreur, donc les périodes de purge politique en Russie. Et il va quand même essayer de chercher à conserver son indépendance, tout en étant frustré de ne pas toujours pouvoir s'exprimer. En 1940-1945, il va être mobilisé pendant la guerre, composer à ce moment-là la 7e symphonie, donc la symphonie de Leningrad, et puis va être en quelque sorte libéré en 1953 au moment du décès de Staline. Et là, il va totalement changer de style compositionnel, enfin en tout cas significativement modifier ce style, et notamment créer ces très belles chansons juives, par exemple. Alors on sait qu'entre la guerre et 1953, il va composer toute une série d'œuvres patriotiques, les quatuors à cordes, mais aussi des musiques de films. Donc c'est un homme qui sait presque tout faire. En 1953, donc à l'âge d'une quarantaine d'années, il décrit un premier épisode de paralysie de la main. Et puis, dans les années 60, sa santé va se dégrader progressivement. Il va faire sa dernière représentation en public dans cette époque-là et décède finalement en 1975, ce qui veut dire que sa maladie a duré à peu près un peu moins de 20 ans. Et vous verrez qu'en neurologie, la durée d'une affection a toute son importance pour le diagnostic différentiel. Alors, vous l'avez compris, on va s'intéresser à cette période, à la fin de sa vie, puisque c'est là que se déclare son affection. Alors, cette affection dégénérative, elle est caractérisée par une faiblesse musculaire lentement progressive qui va commencer tout d'abord par détruire sa carrière d'interprète. Alors, que sait-on de la santé de Chostakovitch avant ça ? On sait juste que pendant son enfance, il avait une constitution relativement fragile. Il a été contaminé par la tuberculose, mais il n'a pas présenté de grands signes pulmonaires ni d'atteinte très invasive. Et puis, il n'a jamais présenté d'autres problèmes médicaux particuliers. Alors, on sait que, en tout cas, dans la plupart des biographies, on fait remonter le début des symptômes neurologiques à 1958, mais on s'est aperçu assez récemment, dans des lettres notamment, que ces enfants décrivaient déjà en 1954 une faiblesse qui commençait à s'installer. Alors, justement, en 1958, on sait que la maladie était déjà bien là, puisqu'on a cet extrait d'une lettre qui a été publiée par Wilson. « Ma main droite est devenue très faible, je ne peux pas lever les objets lourds. Mes doigts peuvent serrer la poignée d'une valise, mais je suis incapable de pendre mon manteau à un crochet. J'ai des difficultés à me brosser les dents. Quand j'écris, mes mains se fatiguent. Je peux seulement jouer du piano doucement et pianissimo. J'ai remarqué ces premières manifestations à Paris lors d'enregistrement de certains concerts. Les plus grands médecins ne peuvent identifier la maladie dont je souffre. Ils m'ont condamné à rester à l'hôpital. » Et vous voyez que ce tableau clinique, pourquoi est-ce que j'ai mis cette lettre ici ? Eh bien parce que ça témoigne d'une certaine discordance. Donc c'est quelqu'un qui peut à la fois serrer la poignée d'une valise, donc ça veut dire que les fléchisseurs des doigts gardent une force relativement correcte, mais par contre, il est incapable de pendre son manteau à un crochet. Donc il y a un problème de dextérité manuelle fine qui a l'air relativement distal. Vous voyez qu'ici, d'ailleurs en 1958, il ne parle pas de ses membres inférieurs et de nouveau, c'est un signe qui a une valeur sémiologique bien particulière. Alors malheureusement, suite à cette maladie, en quelques années, il va abandonner tout à fait les représentations pianistiques et va se tourner vers la composition. C'est souvent le schéma chez ces musiciens qui sont malades, comme Schumann par exemple. Et cette poursuite des capacités de composition laisse quand même supposer un élément très important qui est l'absence de troubles cognitifs associés à cette affection purement motrice. Alors on sait que dans les années 60, justement, commencent à apparaître les premiers signes qui touchent les membres inférieurs puisqu'ils présentent des épisodes de dérobement des deux jambes avec des fractures diverses à la clé et même une boiterie.
Alors, il va aller de consultation en consultation, de centre hospitalier en université. Chaque fois qu'il va en concert, en fait, dans un endroit dans le monde, il va se faire examiner par un médecin local pour avoir un avis. Il va subir toute une série de traitements sans succès. Et toute sa vie, il va essayer de faire reconnaître ce diagnostic. Alors, vous voyez cette belle photo, on le voit en compagnie de David Oistrakh, et qui est très importante pour un neurologue parce que on voit cette espèce de discordance entre le tronc qui est relativement large de Shostakovich et des membres qui sont très très amaigris, très amyotrophiés, surtout au niveau des membres supérieurs et dans une moindre mesure des membres inférieurs. Et sur cette photo-ci, qui date de la fin des années 60, c'est pareil. Donc vous voyez qu'il y a une grande amyotrophie des membres supérieurs avec une espèce d'atonie et de dypotonie axiale qui fait qu'il avait un trouble de posture. Alors en 1965, il est vu à Leningrad par Bogorodinsky en personne, qui est un grand neurologue russe aussi. Et malheureusement, celui-ci se plante puisqu'il diagnostique une forme de poliomyélite. Bien entendu, l'évolution du tableau clinique à cette époque-là n'est pas du tout évocatrice d'une polio. Il est vu à Bethesda, Washington, grand centre neurologique aussi, où là, il ne se mouille pas beaucoup plus, puisqu'il diagnostique une maladie paralytique progressive chronique. Comme je le dis toujours, ça ne fait que décrire ce qu'on voit. Ce n'est certainement pas un diagnostic, c'est probablement quelque chose que vous entendrez aux urgences un jour. Alors, la maladie ne cesse de se dégrader, et progressivement, il va développer ce qu'on appelle une dysphagie, donc un trouble de la déglutition, sans trouble du langage, de nouveau, et sans trouble cognitif. Et malheureusement, en 1975, il suffoque suite à un épisode d'inhalation. Alors, ce tableau clinique, si on le résume, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est celui d'une parésie progressive, distale, qui va remonter de distale en proximale, comme on dit en marée montante, d'évolution très lente et chronique, puisqu'elle s'étale sur à peu près 15 ans. Ce tableau est agrémenté de troubles de la marche et de la préhension manuelle, et d'une dysphagie relativement tardive qui va finalement être la cause de sa mort. Alors, d'après les sources qui nous sont parvenues à l'heure actuelle, il n'y avait pas du tout d'atteinte sensitive. Donc, le fait qu'il s'agisse d'un tableau moteur pur a de nouveau une valeur diagnostique bien particulière. Évidemment, ceux qui sont neurologues ici y penseront tout de suite, serait-ce une SLA, une sclérose latérale amyotrophique, donc ce qu'on appelle aussi la maladie de Lou Gehrig's. Souvenez-vous, quand on a parlé de Stephen Hawking, il y a quelques années, on évoquait ce diagnostic pour lui aussi. Et il y a eu cette mode de l'ice bucket syndrome. Et c'est donc de la SLA qu'on parlait à cette époque-là. Alors, de nouveau, c'est un diagnostic qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est défendu par divers auteurs, comme ce beau papier publié dans les années 90. Alors, il y a un argument quand même majeur contre le diagnostic d'SLA, c'est la longue durée. Une durée de 15 ans, c'est tout à fait inhabituel, bien que de temps en temps, dans des formes purement bulbaires, on est parfois amené à avoir des SLA comme ça, d'évolution très lente et très indolente. Alors, d'autres auteurs proposent des diagnostics différentiels voisins, ce qu'on appelle la MMN. Donc, c'est une multineuropathie motrice qui ressemble très fort à une SLA, mais qui a quelques caractéristiques différentes dans son expression physiopathologique. Un syndrome post-polio, alors qu'il n'y a jamais eu de preuve que Shostakovich ait contracté une polio dès le départ. Une myélopathie cervicale, donc une atteinte de la moelle au niveau cervical. Moi, je pense que ça, c'est un diagnostic qui n'est pas du tout recevable à cause de la dysphagie, évidemment. Ou encore l'hypothèse d'une syringomyélie, donc c'est-à-dire de cette atteinte centromédulaire, qui, de nouveau, n'explique quand même pas bien les troubles bulbaires. Alors, évidemment, il y a un examen qui aurait dû être fait et qui trancherait relativement facilement, c'est l'EMG, donc l'électroneuromyogramme. Eh bien, ce qui est tout à fait bizarre, c'est qu'à travers toutes ces grandes pérégrinations dans la plus grande clinique du monde, eh bien, personne n'a jamais fait d'électromyogramme à Shostakovich, et donc on ne saura probablement jamais. Alors, je pense qu'il faut retenir le diagnostic d'SLA ou d'une entité voisine, qui paraît le mieux expliquer cette longue maladie dont il souffrait. Alors, pour clôturer Shostakovich, je vous propose d'écouter le second mouvement du deuxième concerto pour piano, qui est une pièce très chère à mon cœur, qui est accompagnée de grands chagrins et qui sera interprétée aujourd'hui par Madame Coralie Lotti. Et
par Monsieur Jardin. Thank you.
Je vais vous parler maintenant, relativement brièvement, de Bedri Smetana, qui présentait donc une affection surannée, et vous allez comprendre pourquoi. Bedri Smetana, c'est un musicien plutôt du 19e siècle, donc on retourne en arrière. Il est né en 1824 en Bohême, et déjà en 1828, il commence à jouer au violon, avec son papa. C'est un violoniste prodige qui va remplacer d'ailleurs son père dans un quatuor, déjà à un âge très tendre. Il va ensuite apprendre le piano et puis l'alto. Alors, en 48, donc simplement lorsqu'il a 24 ans, survient le soulèvement de Prague, et à ce moment-là, Bedri Smetana devient un grand patriote et un grand défenseur de la culture tchèque. Vous allez voir que ces événements-là vont d'ailleurs avoir une répercussion sur l'ensemble de son œuvre. C'est à cette époque-là à peu près qu'il va composer Ma Vlast, donc Ma Patrie. Alors on sait qu'il décède en 1884 à Prague, et la période qui va nous intéresser, c'est entre 48 et 1984, puisqu'il y a toute une série de complications qui vont émailler son existence. Donc, en 63, il crée son premier opéra, donc La fiancée vendue, et puis en 1874 et 84, développe une surdité assortie d'une série de manifestations neurologiques. Alors, cette surdité ne l'empêchera pas, entre 74 et 79, d'écrire de très grandes œuvres, dont la Vladva, donc la Moldo, qui fait partie de Ma Vlast. Alors, cette partie-ci, ces 10 années-là, sont très particulières dans l'œuvre de Smetana. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, il faut se souvenir que Smetana, c'est un des plus grands compositeurs à devenir sourd, comme Beethoven, et comme Beethoven, cette surdité ne va pas l'empêcher de garder une forme de langage interne, un langage purement musical, et de composer des choses qui sont de tout aussi bonne qualité que lorsqu'ils avaient toujours une oreille. Alors, chez Smetana, eh bien, le développement de cette surdité est très différent de celle de Beethoven. Elle va s'installer en fait en quelques mois, entre 1874 et 75, et le contraindre au départ en fait à abandonner la direction d'un orchestre. C'est à ce moment-là qu'il va s'isoler dans un village au centre de la Bohême et se consacrer entièrement à la composition musicale. En 83, on apprend qu'il est interné dans un hôpital psychiatrique, donc ça suppose des troubles cognitifs importants, et vous voyez que finalement, il y a à peu près 8 ans entre le moment où les premiers signes neurologiques s'installent et les signes psychiatriques bien établis, avant de décéder en 84. Alors, que souhaite-t-on de cette surdité ? Eh bien, le raisonnement sera bien plus facile que chez Beethoven. En avril 74, on sait qu'il développe un ulcère dit purulent, ce dont je doute quand même, suivi d'un exanthème profus 3 mois plus tard. Cet ulcère purulent, vous l'avez certainement deviné, est un chancre syphilitique. Peu après, il va développer une hypoacousie, des vertiges et des hallucinations auditives. Ces hallucinations auditives sont probablement un équivalent d'acouphène. Alors, vous voyez que tout ça commence en avril et la surdité est absolument totale d'une oreille à l'été 74, 3-4 mois plus tard, et elle est même bilatérale en octobre, ce qui veut dire que l'homme est parfaitement entendant début d'année 74 et totalement sourd fin de cette année-là. Donc c'est une surdité dite fulminante. Pendant la période de 1874, où il entendait encore, il va décrire dans ses carnets un acouphène permanent, qu'il décrit comme un son perçant, sifflant, un accord de la bémol majeur dans la clé de piccolo la plus élevée, en première inversion, donc do, mi bémol, la bémol. Vous allez voir pourquoi je vous décris cet acouphène en particulier, puisqu'il va être traduit dans l'une de ses œuvres. Alors, cette œuvre, c'est le premier quatuor à cordes qu'il a sous-titré « Ma vie », qui date de 1876, donc 2 ans après l'installation de cette surdité. Et ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est son dernier mouvement, qui va représenter en fait la joie, le succès du compositeur dans sa vie professionnelle tardive. Et le mouvement est assez enthousiaste, et puis il va soudainement être interrompu par un silence. Et puis juste après ce silence, un accord de septième diminué,
Et à ce moment-là, le premier violon va jouer une harmonique d'un mi très aigu qui va essayer en fait de répliquer le sifflement de l'accord de la bémol associé à l'acouphène de Smetana. Voici la partition en question et ce dont je parle, et mieux encore, sa traduction musicale par ce petit extrait, si on veut bien le lancer. Voilà. Entendu ce son absolument aigu qui reproduit l'acouphène donc de Smetana. Et cet acouphène s'est probablement manifesté entre l'été et l'automne, puisque l'acouphène généralement se révèle au moment où la surdité s'installe et devient de plus en plus complète. Alors malgré cette complète surdité, il va continuer à composer. La qualité de son travail est tout à fait bien préservée. Il va composer son 8e opéra, par exemple, Le Mur du Diable. Et puis, en 81, par contre, les choses commencent à se dégrader. Il présente des troubles cognitifs, des troubles de l'élocution, des troubles de la mémoire aussi. 2-3 épisodes d'aphasie d'expression, relativement brutaux. Serait-ce des accidents vasculaires cérébraux, c'est possible. En 84, quelque chose par contre qui n'est pas du tout possible dans un accident vasculaire, ce sont des hallucinations visuelles et auditives bien construites, et ce qu'on appelle une ataxie à la marche, donc un trouble de l'équilibre, un trouble locomoteur, avec également une incohérence à l'écriture, et enfin une prosopagnosie, c'est-à-dire l'incapacité de reconnaître les personnes, qui est une fonction typique de l'hémisphère mineur. Ceci, c'est un tableau panaché. Les tableaux panachés sont très difficiles à analyser puisqu'on ne peut pas avoir de raisonnement anatomo-clinique classique comme on adore le faire en neurologie. Donc il faut rechercher une maladie dite de système ou une maladie plus large comme une maladie infectieuse. Alors, quand il est interné, et c'est la seule fois où on a un rapport médical digne de ce nom, eh bien il est examiné à Prague par un neurologue qui décrit une aphasie, donc ce trouble du langage, mais également des troubles de déglutition. Ce qui est très important, une paralysie faciale gauche, des hallucinations et une anorexie. Alors pourquoi c'est important la paralysie faciale gauche? Parce que le nerf facial, c'est le 7e nerf crânien, le nerf auditif ou acoustico-vestibulaire, c'est le 8e nerf crânien, ce qui veut dire qu'il y avait une pathologie qui les touchait tous les deux côte à côte, et cette pathologie, c'est probablement la neurosyphilis. Alors, cette neurosyphilis, c'est une maladie donc infectieuse qui va toucher le cerveau et qui va être responsable d'un épaississement leptoméningé avec des signes d'inflammation chronique. Donc c'est un processus actif au cours du temps, une dilatation ventriculaire consécutive à une atrophie du cortex d'une façon générale qui va donc générer ces troubles cognitifs, mais également une atrophie des nerfs acoustiques. Alors, les troubles cognitifs décrits chez Smetana, en l'occurrence ces troubles du langage, etc., qui arrivent par à-coups, sont vraisemblablement liés à des petits AVC qui sont secondaires, en fait, à cette syphilis. C'est ce qu'on appelait en anglais « paresis of the insane », et donc ce sont des strokes syphilitiques. Alors, ce qui est classique de la neurosyphilis, c'est ce mode d'entrée sous forme de neuronite du nerf crânien 7 ou du 8. Et d'ailleurs, quand on voit une paralysie faciale aux urgences, on dit toujours qu'on doit toujours rechercher un VIH ou une syphilis. Et en voici la raison. Ça a été le mode d'entrée, en l'occurrence, chez Smetana, qui donc présentait une forme neurosyphilitique absolument classique. Alors, pour terminer sur Smetana, je vous propose d'écouter M. Emilien Allais pour deux œuvres, Nevinost et suivi de Lasca. Thank you.
Schubert se trouve dans la même lignée. Vous allez comprendre pourquoi. J'irai plus vite, évidemment, sur Schubert, parce qu'il a vécu moins longtemps et on a beaucoup moins de descriptions de sa maladie. Il est donc né en 1797, fin du 18e, mort à 31 ans déjà, et contracte en fait la syphilis en 1823. Malheureusement, pour Schubert, c'est une forme très agressive et très étendue d'emblée, donc ce n'est pas du tout la même forme que celle qu'on verra, qu'on a vue chez Smetana. Et cette forme, chez Schubert, entraîne de nombreuses manifestations neurologiques extrêmement précoces, avec des troubles neuropsychiatriques, donc de l'humeur, du comportement, et il a toute une série de plaintes, des vertiges, de l'hypertension artérielle, des douleurs musculaires, articulaires précoces, donc c'est une maladie réellement systémique chez Schubert. Alors, il a des accès de délirium avec de la fièvre, des phénomènes déficitaires, donc encore ces fameux strokes syphilitiques, et malheureusement pour lui, encore, il contracte une fièvre typhoïde, vraisemblablement sur une salmonella typhi, avec un syndrome confusionnel et décède en l'espace de quelques jours à quelques semaines. C'est l'autopsie de 1828 qui va confirmer le diagnostic de syphilis, donc de syphilis étendue chez lui. Il n'a pas eu le temps de passer par ce stade de neuronite du 7 ou du 8 qui s'est ensuite progressivement étendu, puisque lui, il a fait une forme à la fois articulaire, neurologique et vraisemblablement avec une atteinte cardiovasculaire aussi. Alors, il faut simplement se souvenir que dans la neurosyphilis, qu'on voit de moins en moins, évidemment, à l'heure actuelle, que les manifestations neurologiques, contrairement à ce qu'on pensait dans le passé, donc on pensait qu'elles arrivaient dans ce qu'on appelait la syphilis tertiaire, à un stade très tardif, eh bien, elles peuvent se produire à n'importe quel stade de l'affection, puisqu'on a démontré que le tréponème, donc le tréponema pallidum, qui est l'organisme responsable de la syphilis, se dissémine vers le système nerveux central déjà dans les heures même qui suivent l'infection. Donc, même en prenant une antibiothérapie très précoce, eh bien, ce tréponème est déjà dans notre système nerveux central. Alors, généralement, il donne deux grands tableaux cliniques, soit une atteinte méningovasculaire, donc on atteint toutes les méninges, ça donne une méningite ou une méningoencéphalite, et les vaisseaux qui vont avec, ou encore une atteinte dite parenchymateuse, avec ses strokes syphilitiques et l'atteinte du parenchyme cérébral lui-même. Alors, sur le plan neuropathologique, la syphilis, ça donne un peu de tout. C'est aussi pour ça qu'on parle de grande simulatrice. Elle va perturber l'architecture du cortex, donner la présence de gommes syphilitiques, ces espèces de granulomes, si vous voulez, qui se font au fur et à mesure de la maladie, y compris au niveau de l'aorte. Donc, cette syphilis, malheureusement, chez Schubert, a donné des manifestations rapides, fulminantes, avec des troubles à la fois corticaux, cognitifs, mais également moteur, et tout ça, évidemment, va nuire à son grand génie créatif. Mais heureusement, il nous a laissé une série d'œuvres particulièrement belles, dont cet extrait de la sonate D587 en la mineure, dont nous allons écouter le second mouvement, interprété par M. Diego Ferreira. Thank you.
Merci beaucoup. Je terminerai par Félix Mendelssohn, en quelques mots seulement, rassurez-vous. Mendelssohn est donc né en 1809 et mort relativement tôt, en 1847, à Leipzig. C'est donc un grand compositeur allemand, d'origine juive. Dans sa famille, on sait qu'il y avait de nombreuses affections dites neurovasculaires, qualifiées d'apoplexie à cette époque-là. L'apoplexie, c'est de nouveau un vieux terme qui a un recouvrement relativement large, puisqu'il désigne toute une série d'attaques. Donc ça ne veut rien dire, encore une fois. Par apoplexie, on pouvait parler d'une hémorragie, comme on pouvait parler de, par exemple, un AVC foudroyant, donc une thrombose. Et in fine, cela ne supposait rien de l'étiologie bien précise de ces affections. Alors, quand on refait l'arbre généalogique de Mendelssohn, on se rend compte que de nombreux membres de la famille étaient atteints, donc il s'agit vraisemblablement d'une maladie génétique. Ce ne serait pas surprenant, puisqu'il est issu d'une famille d'origine donc juive ashkénaze, dont on sait qu'il y a des mutations bien précises dans cette population. Alors, pourquoi c'est important de le souligner ici ? Eh bien, simplement parce qu'il faut se souvenir que les œuvres de Mendelssohn, malheureusement, ont été interdites en Allemagne à partir de 1933 par Goebbels, et que, suite à cette époque-là, on a retiré toutes les statues, mais aussi toutes les plaques commémoratives en 1936, ce qui fait que Mendelssohn est relativement absent de son pays natal. Il reste encore quelques monuments à Prague, si je me souviens bien. Et il faut se souvenir aussi qu'il y a un ouvrage absolument atroce, que je qualifierais même de dégoûtant, écrit par Wagner à son sujet, et que je vous recommande de lire à toute fin utile une fois. Alors, si l'on revient à son affection, eh bien, Mendelssohn est mort relativement brutalement et il a été autopsié par de grands médecins à l'époque allemands, de même d'ailleurs que d'autres membres de sa famille. On s'est rendu compte qu'ils avaient une curieuse affection, en l'occurrence toute une série d'anévrismes cérébraux, mais qui siégeaient particulièrement à la base du crâne. Alors les anévrismes, il n'y a pas de raison qu'ils soient plus fréquents à la base du crâne qu'ailleurs, mais dans cette famille-là, et c'est ça qui signe le fait que c'est probablement une maladie génétique rare, eh bien, il siégeait donc, comme vous le voyez ici, donc là le crâne a été coupé à hauteur de l'os frontal, et vous voyez que cela siège juste en avant du foramen magnum. Alors pendant toute sa vie, Mendelssohn s'est plaint de toute une série de symptômes, ce qu'on appelle maintenant les signes de Dieu la foi, qui sont révélateurs d'une hypertension artérielle, avec des épistaxis, donc des saignements de nez, mais également des vertiges, des céphalées, ou encore des acouphènes. Et probablement que cette hypertension, non traitée évidemment à l'époque, a mené un jour à la rupture d'un de ces anévrismes à la base du crâne. Et vu que c'est situé dans une zone relativement stratégique, eh bien, ces anévrismes, lorsqu'ils se rompent, ne pardonnent pas. Et il est décédé à l'âge de 38 ans seulement d'une hémorragie intraparenchymateuse. Malheureusement, il ne subsiste pas, en tout cas que l'on sache, de descendants de la famille de Mendelssohn qui soit accessible à un testing génétique. Donc on n'a jamais encore identifié de quelle mutation il s'agissait. Donc cela reste un mystère pour l'instant. Peut-être qu'avec les projets de la neurogénétique un jour, on le saura. Mais en attendant, je vous propose donc de terminer cette conférence par l'étude opus 104B numéro 1 de Mendelssohn qui sera interprétée par M. Adrien Evrard. Merci beaucoup. Thank you.
Merci, merci pour cet accueil chaleureux et surtout je voudrais remercier tous les musiciens qui ont participé au pied levé quand même à cette conférence, à Monsieur Jardon et également une petite pensée au docteur Lionel Lejeune qui m'avait aidé dans mes recherches biographiques à l'époque de la création de cette conférence. Donc merci encore pour tout. Thank you.